nouvelle vidéo pour vous faire un petit tag. Et c'est le tag mes créations car j'ai été taguée par LMIL la filmoteuse. Donc voilà, je vous laisse continuer à regarder la vidéo pour me suivre dans ce tag. A tout de suite. Alors, les questions, j'ai écrit les questions là à côté sur mon ordinateur. Première question, montre-nous ta première création. Alors, s'il vous plaît, on ne rigole pas, hein, je ne suis pas fière de cette première création. Enfin, disons que c'était une première, donc bon voilà, on va être tolérant. Donc je l'ai déjà montré, hein, pour ça il y en a qui l'ont déjà vu, hein, je l'ai déjà montré. Alors, ma première création est ce macaron. Donc, déjà, comme vous pouvez le constater, j'ai mis le piton dans ce sens et pas dans ce sens, ce qui ne me paraît pas très logique. Ensuite, à l'intérieur, la couleur est censée être jaune. C'est un peu orangé parce qu'en fait, je me suis pas lavé les mains entre le rose et le jaune. Voilà, donc il est un peu orangé. Le macaron n'est pas bombé, mais complètement plat, limite creux. Voilà. La texture ça va, mais bon, hein, disons que c'est pas très bien fait vu que c'est fait sur tout le côté du macaron et pas seulement sur le bas. Enfin bref, voilà. J'avais fait des trois perles en fimo pour mettre sur ce cordon. Voilà, enfin cette création est pour moi ma première. Et on se passe de commentaires. Ensuite, ma dernière création. Donc ce que j'ai fait en dernier, c'est ça. C'est tout simplement des anti-poussières. Alors je vais vous en montrer quelques-uns, sachant que là il y en a plusieurs de chaque modèle. Voilà. Donc là vous devriez tout avoir. Si ça veut bien, voilà. Alors là en haut j'ai un cookie. Ici j'ai un donut avec des microviroses. Là un petit roulé à la fraise, un petit roulé au chocolat. Un donut à la fraise et ah oui, et là j'ai un donut au chocolat aussi. Voilà, ce sont des anti-poussières. Voilà les dernières créations que j'ai faites. Question suivante. Ma création préférée. Alors, ma création préférée, je vous l'ai déjà montré, c'est cette glace en fait qui est que j'adore, j'ai mis pas mal de temps à la faire, plus d'une heure, et je la trouve vraiment très très réussie. C'est une création que j'adore, voilà, vous voyez à l'intérieur, c'est de la vanille, on voit les petits grains de vanille bourbon normalement, pour faire encore plus réaliste, et tout ça c'est des cacahuètes. J'adore cette créa, c'est ma création star du moment, voilà. Ma création la plus ratée, alors je pense que c'est indéniablement cette lollipop qui est toute plate, voilà. Les couleurs ne sont pas du tout régulières. Et là, je sais pas si vous voyez, là vers le bâton, c'est craquelé. Donc si je tire, je pense que ça va se casser. Voilà, c'était une de mes premières lollipop et je ne l'aime pas du tout, du tout, du tout. La création qui m'a demandé le plus de temps, alors c'est mon petit monde Alice au pays des merveilles. Voilà, donc avec ma chibi Alice, le chat. Là en haut, il y a une table avec des gâteaux dessus, il y a écrit Hit Me. Là, il y a des fleurs avec du coulis. Vous savez, quand ils chantent Peignons les roses en rouge, enfin, je le dis à chaque fois. La plaque de texture, enfin, la plaque toute texturée qui fait l'herbe, cette création m'a demandé en tout une journée entière. D'à peu près 9h du matin jusqu'à aller bien 20h le soir. Question suivante, c'est la question 6. La création qui est le plus rapide à faire selon toi? Selon moi, ce sont les donuts qui sont les plus rapides à faire. Ça me prend, allez, 5 minutes, montre en main, de faire un donut, même avec le coulis. Voilà. La création la plus rapide à faire selon toi? Ouais, ça je l'ai déjà dit. Question 7, création que tu n'arrives pas à faire. Qu'est-ce que je pourrais dire? Attendez, laissez-moi réfléchir. J'ai un peu de mal à faire les roses. Je trouve que mes roses sont jamais très 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 belles. Je les trouve toujours un peu bizarres. Pas forcément très ressemblant avec une rose.
Qu'est-ce que j'arrive pas à faire non plus? Les cannes, sincèrement. J'ai fait une canne une fois. J'ai essayé de faire une canne orange. Ça ressemblait strictement à rien. Je l'ai balancée. Voilà. Création inspirée d'une autre créatrice. Eh bien, je vais remontrer ça parce que c'est inspiré de Tony Ellison. Voilà. Je sais que je dois vous faire le tuto de cette création. Ne me frappez pas virtuellement, s'il vous plaît. Le tuto n'est toujours pas fait. Voilà, je suis désolée. Ça, je vais essayer de le faire rapidement. Création inventée totalement par toi-même. Je dirais ça, c'est un plateau repas que je n'ai jamais vu chez personne d'autre. Surtout, enfin, pas comme ça, quoi. J'ai poussé le détail avec la serviette. Le pain et ses miettes, le cocktail, la salade de fruits, l'assiette de pâtes, enfin voilà, je sais, j'ai complètement inventé ça moi-même et le plateau, je l'ai aussi réalisé moi-même, le support blanc. Voilà. Question 10, création qui est récente mais que tu trouves ratée. Alors, une création que j'ai fait récemment et que je trouve ratée, c'est ce millefeuille. Donc pour le dessus, ça va, il est pas trop raté. Mais c'est sur les côtés que ça se gâte parce qu'en fait, on voit pas du tout le feuilletage. Là aussi, c'est pas terrible. Et je crois que le pire, c'est là parce qu'il y a un énorme trou là, comme s'il n'y avait pas assez de crème. Voilà, je le trouve raté. Je pense que j'ai pas fait les feuilletages assez épais. Donc il est pour moi pas terrible, terrible. Voilà, et dernière question, la question 11. Qui souhaites-tu taguer? Alors, ben écoutez, je souhaite taguer toutes celles qui voudront faire ce tag. Principalement Little I'm Cute, One, Concours Fimo, bon, elle est bien la Fimo, elle l'a déjà fait, Loulou Strawberry, Emily Yumi, Strawberry Lila. Qui est-ce que je peux taguer d'autre? Pourquoi pas. Oh punaise, qui est-ce que je pourrais taguer d'autre? Je ne sais pas. Qui est-ce que je pourrais taguer d'autre? Little and Cute One, je l'ai déjà dit. Strawberry Lila. Péché Gourmand, j'ai découvert sa chaîne il n'y a pas très très longtemps. C'est super, super ce qu'elle fait. Bah écoutez, hein, toutes celles qui ont envie de faire ce tag, je vous tague. Donc n'hésitez pas à le faire. Moi, j'ai été taguée hier et je l'ai fait aujourd'hui. Donc voilà, donc j'ai trouvé que c'était super sympa. Voilà, je vous fais de très très gros bisous à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!